Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon unboxing slash book haul du mois d'octobre. Je vais commencer par les 2, 4, 6 romans que j'ai achetés en librairie et ensuite on enchaînera avec les 6 colis, waouh, quel équilibre, que j'ai reçus au mois d'octobre. Alors, le premier, c'est un échange que j'ai fait parce que j'ai fait une précommande de romans à ma petite librairie et ils n'ont jamais reçu ce roman, donc je l'ai acheté ailleurs. Chez Cultura, pour tout vous dire, et le lendemain ou 2 jours plus tard, ma librairie a reçu mon exemplaire. Donc je suis retournée chez Cultura et j'ai échangé le roman que j'avais acheté au départ et que je vais vous montrer juste après, contre celui-ci. C'est Broken Bounds, le tome 1 de Jay Bree, c'est aux éditions Corrigan. Il est magnifique. C'est de la fantasy romance. Alors, je ne les ai même pas regardés, il y en a certains qui sont même pas encore déballés. Incroyable. Avec les... Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le tissu est jaune fluo. Alors, et à l'arrière, la même chose. Je vais vous... Je pense que le plus simple, c'est que je vous lise les résumés quand c'est possible, quand j'ai un petit doute sur le synopsis. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Ah oui, c'est un reverse harem. J'ai un petit doute sur ce trope, je suis pas sûre qu'il me plaise énormément. On va voir ce que l'autrice en fait, et je vous avoue que voilà, c'est surtout l'édition exclusive, collector, reliée, tout ça, c'est un peu ma kryptonite, je résiste très mal à ce genre de livre très très beau, mais j'en ai entendu beaucoup de bien en version originale, donc on verra. Et le roman que j'avais acheté à la base et que du coup j'ai échangé contre Broken Bounds, c'était... If We Were Villains de M.L. Rio, et je vais le déballer parce que c'est pas encore fait. Et là encore, c'est l'édition exclusive collector, voilà, il est très 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 beau. C'est de la Dark Academia, celui-ci il a un petit ruban, un signé ruban. Et ouais, il est magnifique. Pareil, celui-ci j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur la chaîne d'Ashley que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos, un lien vers la chaîne d'Ashley. Ouh ! Alors, Oliver Marx vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Et en fait, le jour de sa libération, le policier qui était sur l'enquête à l'époque vient le retrouver et lui dit « Écoute, t'as purgé ta peine, maintenant il n'y aura pas de conséquences, mais je veux savoir ce qui s'est passé il y a 10 ans. » Le crime qui a été commis, il y a un de leurs groupes d'amis. C'est ça, c'est un groupe d'amis et il y en a un qui est mort et l'autre qui est tombé pour son meurtre. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'était vraiment un meurtre? On ne sait pas. Donc Dark Academia, très 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 beau là encore, mais je vous l'ai déjà dit. Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, celui-là, il faut que je vous le montre à la fin parce qu'il va avec le dernier. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes. Je l'ai acheté parce que j'ai le premier tome dans cette édition reliée collector, mais Sophie l'a détesté. Donc je l'ai acheté pour pas passer à côté de l'édition exclusive en fait. Mais si ça se trouve, je vais pas l'aimer non plus. Tant pis, je le revendrai. Hein. Et on a une carte au dos de la dust jacket. Magnifique. Je vais pas vous lire le résumé du tome 2 au risque de vous spoiler et de me spoiler le tome 1. Mais si je ne me trompe pas, dans cette histoire, on a une jeune femme qui a plusieurs sœurs et elles sont toutes envoyées dans un camp d'entraînement, quelque chose comme ça, pour... dans le but de qu'il y en ait une qui épouse le prince héritier pour le tuer. Je crois que c'est ça. Mais bon. Voilà. C'était il y a un moment et j'ai toujours pas lu le tome 1, faudrait vraiment que je le fasse. Je vous mettrai
De toute façon, dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien vers tous les bouquins dont je vous parle, y compris celui-ci. Voilà. Et pareil, il est très 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 beau. Mais ce serait bien que je commence cette série pour savoir s'il faut que je continue à les acheter ou si je peux m'en passer. Autre édition exclusive, Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, qui a été édité une première fois chez Big Bang dans sa version classique brochée, avec une magnifique couverture. C'est la couverture originale, c'est celle que je préfère. Mais l'édition reliée, elle est Spread Edges. Ombre Edges en haut et en bas. Insigné aussi. Et on a des overlays. Donc c'est des illustrations sur du papier calque qu'on met dans le livre et du coup par transparence on lit le texte et donc ça correspond à une page en particulier et c'est noté là, page 249 et page 342. Il faut que je me le note quelque part parce que je pense pas que ce soit noté sur les overlays et je suis pas sûre que ce soit noté dans le bouquin. Donc je vais les garder de côté avec la petite fiche sur laquelle c'est écrit et les intelligence. C'est de la fantasy romance. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid, à la beauté surnaturelle, et de vivre au cœur d'un pays plein de magie mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. Fantasy Romance, de nouveau, avec Défaillé. Je dis oui. Et très 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 belle édition. Et d'ailleurs le tome 2, alors c'est une série de tomes compagnons, donc je vais pas l'acheter pour l'instant même si ça me fait très envie. Je vais attendre un peu, je vais déjà lire le premier tome. Et du coup les deux derniers, c'est La Reine sans Royaume, le tome 3 du Peuple de l'Air, et L'Héritier trahi, le tome 4 ou bien le tome 1 de la nouvelle série de Holly Black. Je vous montre d'abord La Reine sans Royaume. Il y a un sticker, mais il s'en va. Avec un signé, les sprayed edges en foil rose, magnifique. Et là encore, c'est une série que je n'ai pas encore commencé, mais au moins je l'ai dans son intégralité. Donc le jour où je voudrais la lire, je pourrais la binge-reader. Et dans cette histoire dont je me souviens plus trop du résumé, on a aussi des failles et une jeune fille qui va se retrouver prisonnière, je crois, du roi des failles. Et donc L'Héritier trahi, c'est un spin-off qui parle, je crois, du frère du seigneur faille dont il est question dans la première trilogie. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est les livres que j'ai achetés directement en librairie. Et on va passer maintenant aux unboxings. Alors, Ulule. Je pense que ce sont les éditions Twinkle. Ça doit être le roman de Noël de Laetitia Arnoux. Oula, il y a un milliard de trucs là-dedans. Alors, déjà, un stylo. Twinkle édition. Ma mère sur le canapé me fait signe que ce sera pour mon père qui collectionne les stylos publicitaires. J'annonce. Ensuite, donc j'avais raison, hein, c'était bien ça. Je n'en suis pas encore au stade où j'ai oublié ce que j'ai commandé, précommandé. C'est une bonne chose. Hop. «
le petit sticker vinyle qui va aller bien parfaitement sur mon reading journal. My little Christmas list pour faire ma liste au Père Noël. Une petite carte Merry Christmas. Le marque-page du roman. C'est un ticket de train, je pense, London to Watford. First class. Wow. Twinkle Express. J'adore, c'est trop mignon. La petite pub pour le reste de la collection des éditions Twinkle et le roman Un Noël à Blickhill Castle de Laetitia Arnoux. Il est trop magnifique et comme tous les romans des éditions Twinkle, il a ce fameux dos style vieux livre de vieille bibliothèque. On a un signet rouge. Les Noëls se tissent dans les moments précieux. Ils sont aussi évanescents que les esprits et aussi ardents que les flammes qui dansent dans l'âtre de la cheminée. Hertfordshire, décembre 1843. Alva Moonfield s'apprête à passer les 12 jours de Noël dans le château de Solfallow, un jeune lord renfermé à la réputation douteuse que l'on dit adepte des sciences occultes. Malgré la rumeur et les mises en garde, Alva est bien décidée à profiter de ce séjour chez lui pour le convaincre de soutenir et financer son projet de réhabilitation des quartiers pauvres de Londres. Elle ignore toutefois que c'est son propre destin qu'elle risque de changer au cours d'un Noël envoûtant à Blickhill Castle. Ce merveilleux conte romantique vous emportera dans un tourbillon de flocons et d'émotions avec tout le mystère, l'élégance et le charme intemporel des Noëls victoriens. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Magnifique. Et comme tous les romans Twinkle, il y a de très très belles en tête de chapitres et c'est dans la collection Falling Stars. Il est trop beau. Et il est bleu. Ma couleur préférée. Ensuite, contrepartie... Kiss Kiss Bang Bang cette fois-ci, il me semble. Ce n'est pas Ulule. C'est une nouvelle édition d'un des romans de mon autrice favorite. Dans une toute nouvelle et inédite traduction d'une autrice française très connue et reconnue pour son talent d'autrice et de poète. Emma de Jane Austen, traduit par Clémentine Beauvais. J'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce que je vais le relire, mais je suis trop contente de l'avoir. Et non seulement je suis trop contente de l'avoir, mais en plus, c'est aux éditions Barry Ball, je connaissais pas du tout. Voilà, bon, il y a pas, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer, mais il y avait disponible en librairie le 18 octobre, donc vous pouvez vous les procurer dès maintenant. On a un sachet de thé. Oh, c'est du thé vert. Thé vert, sencha, pétale de rose, jasmin, dragon pills. Si un livre est bien écrit, je le trouve toujours trop court, Jane Austen. Et il y a en plus Austen Power. Alors que l'Angleterre la révère à l'égal de Shakespeare, alors que le monde entier l'encense et s'en inspire, il est plus que temps de rendre justice à Jane Austen dans la langue de Molière. Diverses personnalités célèbrent donc ici l'autrice d'Orgueil et Préjugés et exposent clairement, simplement mais passionnément les raisons pour lesquelles il faut encore et toujours relire ses romans. Parce que Jane Austen vaut tellement plus que l'image étriquée qu'on en a trop souvent, Austen Power... Je pensais à Austen Power, je pense que c'est fait exprès. Lui rend hommage et invite les lecteurs français à la redécouvrir. Oui, ça me fait penser à Austen Power, puisque bah, Austen Power, et puis je sais qu'il y a pas mal de gens qui le prononcent Austin et non pas Austen. Et moi j'ai toujours dit Austen et pour moi c'est logique que ce soit Austen. EN en anglais ça fait N et pas IN. Donc pourquoi ce serait Austin et pas Austen? Bref, donc j'ai hâte de lire ça aussi. Constance Jamais, Marc Poré, je suis pas sûre que je vais connaître Geneviève Brisac, beaucoup d'auteurs de ceux qui ont écrit dans ce manifeste, mais c'est pas grave, j'ai hâte
de la découvrir à travers les yeux d'autres. Et je vous ai pas du tout parlé d'Emma, puisque pour moi c'était acquis, vous savez de quoi ça parle, mais pas forcément. Emma, c'est l'histoire de Emma Woodhouse, qui est une jeune fille de très bonne famille dans l'Angleterre victorienne, qui aime s'immiscer dans les relations un petit peu amoureuses, et elle aime bien jouer les marieuses. Jusqu'au jour où bah, les choses vont pas forcément très bien tourner pour elle. C'est un des romans les plus humoristiques de l'autrice. Notre héroïne, qui est pas vraiment une héroïne, elle est presque une anti-héroïne, elle est pas toujours très sympathique à suivre, va se retrouver dans des situations abracadabrantes. Et c'est bourré de quiproquos et de notes d'humour. Enfin voilà, c'est un des romans les plus emblématiques de Jane Austen, et je crois que c'est son roman le plus long. Donc ça va être très très cool. J'ai hâte de le relire avec cette toute nouvelle et inédite traduction de Clémentine Beauvais. Ensuite, normalement, ceci est la dernière commande que j'ai effectuée chez le grand méchant loup. Je n'ai plus de romans en attente chez eux. Donc je suis contente. Et c'est un roman des éditions de Saxus, écrit par un de mes auteurs favoris. Les Extraordinaires de T.J. Clune. C'est le premier tome d'une duologie ou trilogie, je ne sais plus maintenant. C'est de la science-fiction, dans laquelle on va parler évidemment de super-héros. Accessible à partir de 13 ans, certaines personnes sont extraordinaires, d'autres sont juste extra. Il n'est pas rare de voir le ciel de Nova City s'illuminer sous les combats opposant Shadowstar à Pyro Storm, les deux extraordinaires ennemis, qui n'hésitent pas à user de leur pouvoir défiant l'imagination. Dans les rues de la ville, guettant la moindre de leurs apparitions dans l'espoir d'une rencontre, se trouve Nick, un jeune homme atteint de troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Il est également l'auteur de fanfiction le plus populaire du fandom des Extraordinaires. Son rêve absolu est de rencontrer Shadowstar, le faire tomber fou amoureux de lui et l'épouser. Et pour cela, il a une idée géniale, enfin, selon lui. Il va devenir, à son tour, un Extraordinaire. Voilà, donc, on verra. C'est shiny, shiny. Ce rose fluo avec ce turquoise foncé, ça pique les yeux un petit peu. On verra ce que ça donne, c'est complètement dans un autre genre de ce que j'ai lu pour l'instant de T.J. Clune. Je doute pas que ce sera bourré d'humour, parce qu'il est assez doué pour ça. Et le fait que ce soit de l'ado m'inquiète un peu. Je suis pas non plus hyper fan de super-héros, mais pour l'auteur, on verra ce que ça donne. Et puis si j'accroche pas malgré l'auteur, bah tant pis, c'est pas grave, on passera à autre chose. Ensuite, j'ai trois Fairy Loot à ouvrir. Deux éditions exclusives qui, normalement, doivent être des suites de romans reçus dans les box précédentes. Et la box d'octobre, jeunesse, enfin, young adult et adulte. Alors, ça c'est quoi? Est-ce que c'est marqué quelque part? Oui, celui-là, c'est le tome 2 de The Darkening, je crois, ça s'appelait. The Light Struck de Sanaya Mara. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Et je ne me souviens plus du tout de quoi parle cette histoire. Donc je vais pas lire le résumé du tome 2 pour ne pas me spoiler. Mais vous retrouverez le lien vers le bouquin dans la barre d'infos. Ensuite, le deuxième, je pense que ça doit être Foxglove, le tome 2 de Belladone, d'Adeline Grace. Ta-da! Et pareil pour Belladone, je ne me souviens plus du tout du résumé.
Mais je vous mettrai le lien vers le tome 1 en barre d'infos, sachant que le tome 1 a été traduit par De Saxus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver en français, Darkly Romantic Tale. Donc, je dirais que c'est une romance gothique, fantasy romance gothique peut-être. Ils sont vraiment très très beaux tous les deux. Là, je suis très contente. Et pareil, je vous mettrai par ici la version classique de la couverture pour que vous voyez la différence. Et du coup, on est parti pour finir avec La Fairy Loot d'octobre, jeunesse, enfin young adulte, je vais y arriver, young adulte et adulte. Je me souviens plus. Ah si, le young adulte, je me souviens ce que c'est. Mais pas le, pas l'adulte. Et de 1 et de 2. Alors, lequel des deux? On va commencer par celui-là. Il est plus fin, j'aurais tendance à dire que c'est le young adulte. Pas sûr. Le thème pour la box Young Adult, c'était Enchanted Forest. Et le roman, c'est. Non, ça, il y a encore la lettre. La lettre de l'autrice. Autrice que j'ai déjà lue précédemment grâce à Fairy Loot et que j'avais beaucoup aimée. The Forest Grim de Catherine Purdy, qui avait écrit The Bone Grace, si je me souviens bien. Once Upon a Dark Time. Waouh. Alors, là, chez moi, j'ai pas l'impression que ça rentre très très bien à la caméra, mais il est vert, d'un vert très très beau. Vert Noël, vert forêt. Et je pense que, au visuel, c'est assez flagrant qu'il s'agit d'une réécriture des contes de Grimm de manière générale, mais particulièrement du Petit Chaperon Rouge. Il y a du foil sur les end pages. Oh. Sortez Fortunae. On en a une couverture alternative. Je pense que je préfère la couverture originale. Ah ouais, je suis pas fan du dessin de la couverture alternative, je préfère l'original. En parlant d'original, je vous mettrai par ici la couverture classique, pour que vous voyez les différences. Et voyons voir, il est où le petit mot? Histoire que je vous raconte pas non plus trop des bêtises. Il s'agit d'une histoire ensorcelante de... Bonne aventure, de 10 heures de bonne aventure, de grimoire magique et d'amitié. Les contes de fées prennent vie et on expérimente des plot twists sombres et mortels. Réécriture de contes, ça fait partie de mes sous-genres préférés de la fantasy, donc je suis ravie. Et le livre adulte. Alors, la thématique adulte pour le mois d'octobre, c'était My Dear Nemesis. La petite lettre de l'autrice. Oui, effectivement, Kylo Ren. Et le roman, The Hurricane Wars de Thea Guanzon. Et je n'en ai pas du tout entendu parler. Je vous mettrai par ici le visuel pour que vous voyez les différences avec la couverture de base. Pareil, il y a du foil de nouveau sur... les end pages. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et
Et donc, cette histoire... Un prince qui manie les ombres comme une arme et une fille avec une capacité secrète à contrôler la lumière. C'est une fantaisie inspirée par le folklore sud-asiatique qui va mettre... comment ? Qui met en scène un enemies to lovers dont on ne pourra pas se passer. Enemies to lovers, c'est mon trope préféré. Donc j'ai très très hâte. Il est très beau, mais il est énorme. Et c'est écrit tout petit. J'ai même pas regardé l'intérieur. Alors, tous les livres de la Fairyloot, je voulais pas montrer, mais ils sont tous dédicacés. On a une carte. Et rien de plus au niveau des... Ah si, on a une petite en tête de chapitre à chaque fois. Ensuite, pour celui-là, il est dédicacé et les entêtes de chapitre Foxglove, il est dédicacé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les livres à rejoindre votre bibliothèque pour le mois d'octobre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !